De la houle en légère hausse et du vent de nord ce midi sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est gris couvert avec quelques gouttes. Hein. Ça se ré en nuages. La température extérieure, elle est relevée à 20-21 degrés. La température de l'eau est meilleure qu'hier. Elle est relevée à 19-20 degrés. La marée est actuellement en train de monter. Le plein haut est à 15h35 avec des coefficients de 60. Et sur cette marée qui monte, le vent est au nord. Il est faible à un petit beaufort établi avec un drapeau qui ondule. Des phases de vagues, un plan d'eau qui est ridé, des phases de vagues qui sont ridées à lisse, et on a cette petite houle longue de 10 secondes de période orientée nord-ouest, un peu multipique et quand même en légère hausse. Attention, le spot de la sud là qu'on voit là, c'est un endroit qui concentre la houle, parce que les autres endroits à droite et à gauche, ça grossit légèrement. Là, c'est plus flagrant. Et il y a 30 à 40 cm en déferlement régulier, 50 cm sur la majorité des séries, et de temps à autre, tu as 70 cm. Voilà, à la sud, à la digue sud, plus fréquent que là où on voit la centrale, ça lève, et quand ça casse, bon, c'est moins gros qu'à la sud. Mais c'est quand même du petit surf assez propre, avec une note qui s'améliore. Ce matin, il y avait 3,5 sur 10, note LSI. Ce midi, je vais mettre un petit 4 sur 10. Petite vague, surfable en petite planche pour un technicien énervé, ou alors avec une planche adaptée pour les débutants, les apprentis ou les autres. Et il y a beaucoup de monde à l'eau. Voilà, c'est du petit surf quand même assez sympathique, et la houle elle pousse légèrement à la hausse. La houle courte d'ouest, 6 secondes de période, est-elle à la baisse, et c'est la houle longue de nord-ouest qui devient de plus en plus dominante. Bon, les séries sont espacées, hein. C'est pas hyper consistant, faut vraiment attendre les séries, mais il y a de quoi faire des petits judos. Un petit judo, non. Et donc, l'évolution pour le reste de la journée, ben, ça va grossir. Il y aura 50-70 cm plus établis pour la fin de journée, parce que la bouée Arcachon-Gascogne tourne entre 1 m et 1,20 m et 7 secondes. Donc, ça va grossir. Le vent, lui, attendu, sera renforcé au nord-ouest, ce qui nous donne en prévision à 13h 50 cm en légère hausse, quelques séries au-delà, ou le nord-ouest à ouest, 10 à 6 secondes de période, vent de nord à un beaufort. Et à 17h, il y aura 50-70 cm sur la majorité des spots. Houle nord-ouest à ouest, 10 à 6 secondes de période. Vent de nord-ouest de 3 beauforts. Même si le vent se lève cet après-midi, il n'est pas prévu trop fort. Et on aura quand même des petites vagues surfables avec cette petite houle longue. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. Bon appétit! Là où l'on